Salut à tous sur Boulangerie Facile. Pour commencer, j'aimerais faire deux dédicaces. La première dédicace sera pour Rani qui a testé ma recette de pain complet et qui m'a donné une photo. Ça fait super plaisir, franchement. Donc, je vous montre le résultat. Vous aussi, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des photos par rapport au résultat que vous avez eu grâce à mes recettes ou sinon me poser des questions grâce à mes réseaux sociaux qui se trouvent en bas ou bien voir mon site web. Sinon, pour la deuxième dédicace, ça, c'est pour mon ami l'anaconda algérien, au surnom Pierrot. Il m'a donné l'autorisation de vous faire cette vidéo alors qu'il n'a jamais vu ce pain quand il a vécu en Bretagne. Je te remercie de ton indulgence. Vous aurez compris, c'est le pain breton. Le pain breton n'est pas forcément difficile à faire, c'est juste une pâte qui est assez souple, à peu près comme la brioche. Je la note 3 sur 5. Et sinon, pour le temps de préparation, ce sera 4 heures. On peut y aller. Pour la recette du pain breton, vous aurez besoin de 400 g de farine de blé, 100 g de farine de sarrasin, 340 ml d'eau, 12 g de sel et 5 g de levure. Mélangez tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ensuite, pétrissez-la pendant environ 15 minutes. Une fois bien pétrie, laissez-la reposer pendant 15 minutes. Le temps passé, faites deux rabats et laissez-le reposer pendant 45 minutes. Une fois le pointage fini, divisez la pâte en 3 morceaux de 280 g. Ensuite, boulez-les, puis laissez-les reposer pendant 20 minutes. Une fois reposé, faites une forme de poire en appuyant et en allongeant une extrémité. Puis, repliez la partie allongée au-dessus du reste de la pâte. Quand vous avez fini, laissez fermenter pendant 45 minutes. Quelques minutes avant, préchauffez le four avec un cul de poule rempli d'eau à 250 degrés. Le four chaud, farinez le dessus des pains et cuisez-les pendant environ 18 minutes. Et voilà le résultat! Voyons l'intérieur. Parfait. Voilà, si tu as aimé la recette du pain breton, tu connais le refrain, hein, petit pouce, commentaire ou sinon un petit partage. Si tu veux voir d'autres recettes de pain, je te propose d'aller voir ma playlist sur le pain, tout simplement. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.